J'ai réuni 30 personnes, tous enfermées dans leur box. Celui qui restera le plus longtemps dans sa box remporte la partie. Les joueurs vont s'affronter dans des mini-jeux afin de gagner et de ne pas être éliminé. Quel joueur sera le plus résistant? Quel joueur restera le plus longtemps dans sa box? Telle est la question. Réponse tout de suite dans cette vidéo. Eh bien écoutez, maître du jeu, on vous écoute, on est parti, on est chaud. On est tous là, la salle, vous allez bien la salle? Ouais, alors on a un nouveau membre dans la team, c'est Vaze, et Nuit nous a Eden, vas-y, vas-y, Eden. Bonsoir. Très bien, très bien. Alors le jeu est simple, vous avez tous une box avec un numéro qui vous a été attitré. Des activités vont être faites. Si vous mourrez durant cette activité, vous êtes éliminé. Si vous perdez l'activité, vous êtes éliminé. L'objectif est qu'il n'y ait qu'un seul survivant à la fin de toutes les activités. Il faut savoir que si vous sortez de votre box et que je vous vois, j'ai le droit de vous tuer, donc vous êtes éliminé. À votre gauche, regardez tous, vous avez une hache, ok? Vous pouvez aller récupérer cette hache et cette hache vous permet tout simplement d'éliminer le joueur de votre choix. Vous avez un objet caché tout autour des épreuves. Cet objet caché vous permet d'aller directement en demi-finale. Ok les gars, on est parti, ça commence, let's go, maître du jeu, vous pouvez y aller. Je vous attends, maître du jeu. C'est parti, je vais avoir besoin de 3 joueurs. Bah moi que je reprends 9. Du coup. Très bien, donc la salle. 18. 9. Le 18. Le 10. Le 10 et le dernier, le 2. Ça y est, ça fait 3. Très bien. Très bien, ça fait 3. Je vais demander aux 3 joueurs de se rendre derrière sur les 3 rampes jaunes s'il vous plaît. Alors moi les gars, j'ai le droit de sortir de la box. Ouais, pour regarder. Le jeu est simple, vous devez rentrer 2 fois votre véhicule, donc mettre 2 paniers pour gagner. Le dernier qui aura malheureusement pas effectué ces 2 paniers sera éliminé. Bah quand tu dis le top... Je vous donne le top de départ. 3, 2, 1, c'est parti. Une question pour toi, maître Splinter. Dites-moi. Est-ce qu'ils ont un timer ou... Non, c'est une fois que les deux candidats. La salle, le premier candidat aura mis 2 points. Et JR aussi. Hein. Et JR. J'ai une question pour vous, maître du jeu. Oui. J'ai récupéré un élément essentiel. Dois-je le déclarer ou non? Attendez la fin du jeu. Attendez la fin du jeu. Ok. Attention, JR. Ouais, 2. 2 pour JR. Et 2 pour la salle. JR qualifié. 2. Joueur Eden, merci de venir reposer votre quête voltique, vous êtes éliminé. Aïe. Alors que t'aurais pu nous quitter à Northampton. Rockstar North. Rockstar North, le destin, il fait bien les choses. Eh bien, Eden éliminé. Non, il est en dehors de sa box. J'ai un objet que j'ai ramené à ma. Donc il est. Moi aussi. Quel est l'objet que tu as ramené? Moi aussi. Non, c'est pas vrai. Non, les gars, c'est vrai. Ah, si, moi aussi. Si, moi, sérieux, si, ça y est aussi. Moi, j'ai récupéré un objet avant, maître du jeu. Oui. T'as ramené quoi, Costla? J'ai ramené la hache. T'es le premier à aller chercher la hache? Après, j'ai vu des petits babons, ils sont partis la chercher alors qu'on a dit que c'était une personne. Moi, voilà, donc si t'es le premier, c'est toi qui a. J'ai mon gameplay. Le pouvoir de tuer un joueur. Et qui a trouvé un autre objet? J'ai le numéro 4. Bidon d'essence. Qui est allé chercher un bidon d'essence en premier et l'a ramené dans sa box en premier? Moi, c'est JR, c'est bien l'objet secret que tu as trouvé. Tu accèdes donc directement à la demi-finale et tu peux te rendre sur la plateforme blanche juste en haut. Pour ce deuxième jeu, je vais avoir besoin de 6 personnes. Ouais, moi, le numéro 15. 17. Numéro 3. 19. Très bien. Venez juste à côté de moi, juste à côté de l'insurgent, juste ici. Il a dit 6. Non, un insurgent chacun, 2 équipes, les rouges et les bleus qui s'affrontent. La première équipe qui marque un but élimine l'autre équipe, les 3 joueurs de l'équipe d'en face. Ouf, il y a 3 d'un coup l'élimine. Ouais, ça va être sévère. Ça va dans les buts. Tu vas dans les buts ou j'y vais? Vas-y, j'y vais dans les buts. Ok, bah moi je suis R9, très let's bien. Go. Les joueurs sont prêts. 3, 2, 1, c'est parti. Ouh, alors la balle les gars se téléporte, enfin fait tout bizarre. Possession de balle rouge visiblement. Ouh, c'est vrai que R9 est très fort.
La salle. Pour l'attaque rouge de la salle. Oh là là. Le corner peut-être. Oh dommage, c'était beau. Oh my god, elle est partie. Ça défend bien des deux côtés. Hein. Ouais, ça se fight. Oui. Wouah. Wow. Allez. Quelle arrêt de Allez. Wesh. Il va y aller. Vase. Ça va y aller. Allez. Ça, Nitro aidé, je sais pas, quelqu'un. Vas-y, Nitro, fonce sur nous, une vitesse. Ah, ça passe pas. Vas-y, refais. Bien joué, les gars. C'est pas grave. Belle défense des bleus. La balle est près du but. Oh, il y a eu poteau. Vas-y, la salle. Ouh, j'ai voulu la rentrer en arrière. Oh, c'est serré. Et c'est terminé, on va passer au tir au but. C'est bon ? C'est bon, premier tir au but. Du coup, l'équipe rouge contre l'équipe bleue. Premier tir au but. 3. 3. 2. 1. Go. But ! Il est rentré. Oh. Je vous jure, il est rentré. Non, elle est pas rentrée. Elle est pas rentrée. Parti là ? Prêt. Anune, tu peux faire le décompte. 3, 2, 1, go. Oui. Aïe. Les gars, je crois que l'équipe bleue qui élimine l'équipe rouge sur les tirs au but. Mais moi j'ai la hache. Ah. Kosla, tu es mort avec la hache. Ça veut donc dire que la hache est remise en jeu pour les autres joueurs. Ah là là. Je suis désolé. Je vais maintenant avoir besoin de 4 joueurs. 3 pardon. 3 joueurs. Vas-y moi. 3 joueurs. Vas-y, moi je suis en mine. Ouais. 16. Vous avez en face de vous dans l'eau une plateforme orange sur laquelle se trouve un pistolet. Le premier qui atteint cette plateforme prend le pistolet et tue ses deux adversaires. Ok. On attend le décompte. Très bien. Tout le monde est en place ? Ouais. Parfait. Alors 3, 2, 1, c'est parti. C'est chaud, j'ai peur, je stresse les gars. Pour l'instant, aucun joueur. Enzo a récupéré le pistolet. C'est parti. Ça se bat. Enzo qui remporte l'épreuve, mais Anine qui a réussi à s'enfuir sans se faire tuer. Ouh. J'ai retourné dans sa box là. J'ai eu chaud. Ouais, tu peux remonter Enzo. Waouh. Bien joué. Putain, mais tu sais que ça s'est joué à rien. C'est chaud. Hein. Il a failli prendre le truc. Hein. Abou a trouvé la hache à la suite de l'élimination de Kosla. Abou, est-ce que tu souhaites éliminer quelqu'un maintenant avec ta hache ou tu souhaites attendre? Plus tard. Ok, le mec est chaud, le mec il attend, mais en tout cas sachez regarder le nombre de box qui reste, on n'est plus beaucoup. I got the gameplay. Il y a de moins en moins de box. Et maintenant je vais avoir besoin de 4 joueurs dans l'arène juste ici, s'il vous plaît. 4 joueurs. 4 joueurs. Bon les gars, 4 joueurs. Déjà désisté. Ok, j'y vais, mais je vais éliminer quelqu'un. Numéro 14.
Numéro 11. Tu souhaites éliminer quelqu'un avant ton épreuve? Bien évidemment. Alors je rappelle qu'il a la qui souhaites tu éliminer à bout. J'aimerais éliminer Exos Black Shark. Exos. Très bien, Exos, je suis désolé. Tu as été éliminé par la hache de Abou. Et sa box va disparaître. Maintenant, les 4 joueurs qui sont désignés, rendez-vous dans l'arène qui est juste derrière. Le jeu est simple, chaque joueur a un sniper. Ils ont interdiction de viser. Si j'envoie un visé, il est éliminé. Je le verrai, la fréquence des pas est différente. C'est du noscope, quoi. Exactement, c'est uniquement du noscope. Je précise que si un joueur se prend une balle alors qu'il est en dehors de sa box, il est éliminé aussi. Donc je vous conseille de vous mettre à couvert, les autres. Ok. Et j'ai un gars, il voulait pas que je vois le jeu, les gars. Les 4 joueurs, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Oh, le Mandalorien éliminé. Ezio éliminé, Abou éliminé. Mais non, c'est Kostla qui m'a tué, c'est Kostla qui m'a tué. Non, Telio habité Abou. Telio, bien joué. C'est Kostla qui m'a tué, j'étais à l'aéroport et Denis m'a tué. Merci. Bien joué, Telio. Telio, félicitations, tu es qualifié, il est éliminé. Putain, Ezio, il a failli me tuer en plus le prof d'avant, les gars. Je vais maintenant avoir besoin de 3 joueurs, ceux qui n'ont pas participé. Numéro 5. En premier. Numéro 5, tu peux aller à l'arrière. Et numéro 20, y a-t-il un autre joueur qui n'a pas participé? Arima, okay. Vous allez tous les 3 dans l'arène, juste derrière les box ici. Ouh, c'est chaud, j'aime ça. Et ça va être un affrontement au point avec un seul survivant. 3, 2, Edel, 1, c'est parti. Ah ouais, ça me passe fight, hein. Ah oui. Wouh, ça se fight. Ah, ouais. Donc là, tu vas me dire qu'il y en a un seul qui va être éliminé là? Non, 2. Un seul sortira grand vainqueur. Un seul vainqueur, wow, les gars, c'est chaud. Ça se fight. Sombre Vénis qui est éliminé et Fiac Arima le grand vainqueur. Let's bien go là. Arima vainqueur, félicitations. Bravo. Y a de la vision, tu peux retourner dans ta box. Oui, juste à l'arrière. Derrière toi, t'as des packs de vie. Ah ok, nickel. Je vais maintenant avoir besoin de 4 joueurs. Moi. Qui vont tester leur chance. Moi. Unwin. Moi j'ai pas peur. Larziz. Moi. 19. Et vous allez aller derrière le stade de foot, vous positionner sur les 4 bandes de couleurs, une chacune. Eden, je vais avoir besoin de toi. Il faudra que tu restes au niveau des box. Et quand je te le demanderai, tu choisiras une couleur entre les 4. Mais il faut pas que tu vois où les joueurs sont positionnés. Ah, je choisis n'importe quelle couleur là ? Tu as le choix entre le bleu, le rouge, le rose et le orange. Le vert. Très bien. Le bleu. Le bleu, Larziz, tu as été éliminé par Eden. Let's go. Punaise. Les 3 joueurs, vous pouvez retourner à votre place. Bienvenue sur Pasta Game. Pasta Box. De moins en moins de box et ça c'est beau. Il reste donc 5 joueurs. Eden, est-ce que tu peux choisir un nombre entre 1 et 5? 3. 3? Non, c'est pas le numéro comme ça que j'ai. 1, 2, 3. Unwin. Dis-moi. Choisis un nombre entre 1 et 5. Et 4, pardon. 1 et 4? Oui. 1. Je vais choisir le 4, parce que c'est mon pote et je sais que c'est mon pote. Oh, le 4? Ouais. Nuin, le numéro 4, c'est Isco. Est-ce que tu veux le tuer ou est-ce que tu veux le laisser en vie?
Est-ce que je vais tuer Iskrim ou pas? Bah tue-le. Oui. Bah bien sûr. Tue-le. Allez. Bah mon but c'est de survivre, hein, comment ça? Ouais, c'est abusé ça. Regarde, Mirage, tue-le. Voilà, c'est tout. Ok les gars, ça recommence, du coup on a dû relancer l'activité parce que vous doutez bien que dans les activités il y a du temps. On n'est plus que 4 et il y a JRO qui s'est qualifié directement en demi-finale avec l'objet mystère. Donc on est techniquement 5. C'est parti, maître du jeu, vous pouvez reprendre. Très bien, pour cette épreuve, c'est une épreuve mystère et ce n'est pas la mienne, c'est celle de Eden qui est juste en dessous. Donc je le laisse vous donner les consignes. Et effectivement les gars, il va y avoir 2 éliminés. Donc pour les 2 éliminés les gars, c'est les 2 derniers qui arrivent à partir de là où je vais le dire, donc à partir de maintenant, donc préparez-vous. Ouais. En gros, les 2 derniers qui n'ont pas réussi à truc, je les verrai, ils seront éliminés. Donc les gars, c'est parti. Le premier. Donc les 4 joueurs participent. Arrive... Ouais, les 4 joueurs participent. Le premier qui arrive sur une couleur bleue, il doit être dessus. Hmm? Il y avait plus simple, mais Ok. C'est bon, alors, c'est bon, Annie, change c'est bleu, bon. Annie, c'est bon, c'est gagné. Ouais, les deux bon. Chicas ouais. Vagabins, vous êtes éliminés. Attends, Arima, il est sur du bleu ou pas? Oui, effectivement, oui. Il est sur la petite loupe bleue. Merci pour l'information. David Telio. Bah oui, Arima, et on est la liste est simple, j'ai vu ça. Ouh, bien joué, Arima. Putain, j'ai peur, Arima, on est plus que 3. On est plus que 3, les gars. Vous auriez juste dû descendre et aller sur la plateforme bleue, hein. Enfin, le petit truc. Demi-finale. Vas-y, JR, viens. JR, tu peux redescendre. C'est la demi-finale. Ah ouais, t'es chaud. Moi, je stresse. J'ai un autre jeu si vous voulez, hein. Écoutez, les gars, ça va être simple. Ouais. Préparez-vous. Le premier. Enfin, ouais, le premier du coup. Qui arrive à récupérer l'insurgent bleu que j'ai. Évidemment, je vais descendre. Igan, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. Celui que t'as? Celui que j'ai, je l'ai placé à un endroit, il faut le récupérer le plus rapidement. Et le ramener pour valider, il faut uniquement le ramener sur la plateforme jaune où je vais. Et... Pas drôle, l'insurgent, JR. Hein. Oh bah, vous avez pas dit que j'ai pas le droit de prendre un véhicule pour y aller? Bah non, il faut récupérer mon insurgent bleu. Bah, j'ai pas le droit de faire ça? Tu peux descendre. Et il faut le ramener ici où je suis. Aïe aïe aïe. T'es où? Ah, t'es là. Aïe. Ok, c'est bon. C'est validé pour Arima. Descends, Arima. C'est bon, du coup. Ah, ok. Bah, descends. Voilà. Ça sert à rien d'aller prendre l'autre insurgent. Maintenant, je vais le bouger. Donc, préparez-vous. Wow. Préparez-vous, parce que je vais le poser dans pas longtemps. Et... C'est parti. Il faut venir le récupérer rapidement. Mais comment tu cours aussi vite la nuit? C'est impossible. T'arrives? Arrête. Allez. Eden. Il faut uniquement ah ouais réussir à le faire descendre de la plateforme jusqu'à moi. Tout simplement. Aïe. Malheureusement, Eline. Nous sommes à la finale. Aïe. Bien joué, je suis dégoûté, mais au moins j'étais jusqu'en demi-finale, mais c'est pas grave parce que dans tous les cas, j'aurais été bon. Voilà, c'était ma phrase. Ok, et eh ben écoutez les gars, on peut passer à la finale. Du coup, JR contre Arima. J'ai un autre jeu. Non, là c'est le dernier jeu. Déjà prêt. D'accord, okay. Venez me rejoindre au niveau de l'insurgent noir, au niveau des box, JR et Arima. Parti pour les trois finales. Les deux joueurs doivent suivre le maître du jeu. Qui va remporter cette première édition, Arima ou JR? Telle est la question, je suis allé en demi-finale. Le gagnant. Très bien. Arima et JR, restez ici. Restez ici. La reculer. Restez où je suis. Voilà. Enwin? Oui. Viens avec moi. Je vous explique. Une des deux voitures est piégée. Unune, tu peux inspecter les deux véhicules pour regarder quelle voiture a été piégée. Alors, peut-être que je vois pas, donc faudrait peut-être me la dire et moi je vais l'afficher dans le
dans le truc, ok. Bah tu verras quand elle explosera, tu reviendras derrière. J'affiche voilà. La voiture, vous voyez l'écran, ceux qui regardent la vidéo, les gars. Quelle voiture est piégée, vous le voyez. Et bah écoutez, maître Jou, vous pouvez passer au jeu. Comment ça, je vais demander aux deux joueurs, JR, quelle couleur de voiture souhaites-tu prendre? La bleue. La bleue. Très bien, tu vas prendre la jaune. Tu as donc la jaune, mais ne bougez pas. Ne bougez pas. Unwin. Oui. Tu sais quelle voiture est piégée. Effectivement. Tu pourras donc les influencer si tu souhaites. JR. Oui. Est-ce que tu souhaites changer ton véhicule ou non? Non. JR, qu'est-ce que tu fais? JR, est-ce que souhaites-tu conserver ta voiture bleue? Ou changer tu peux parler, JR, vas-y, on t'écoute, les abonnés. Est-ce que je peux dire quelque chose? Allez-y. Oui. Oui, tu peux, parce on t'écoute. Donc, si Unwin, je te crois, sache que les 50 euros, à la base, je les reverserai pour la COP. Ok. Enfin, pour la survie, enfin, ton jeu après là. Oh la jaune. Et bah, du coup, je t'enverrai l'autocollant et la carte dédicacée. Bah, si bien évidemment, la voiture jaune n'est pas piégée. Enfin, voilà. Enfin, mais si tu sais. Comment? Tu connais la réponse, t'es censé m'influencer vers une des deux voitures. Oui, moi je te dis de prendre la bleue. Oui, c'est clair. D'accord, alors je garde ma voiture bleue. Donc JR, tu souhaites conserver ton véhicule? Ouais, parce que là il vient de me dire, donc je garde la bleue. Très bien. Moi? Eh bien JR, monte dans le véhicule bleu. Et Arima monte dans le véhicule jaune. J'ai rien choisi, donc. Ok. J'ai rien choisi. Ah, mais ne c'est bougez moi. Pas. Qui va remporter? Et le gagnant est. Ah, fais pas de suspense, il voit la caméra. Hein. Hey, JR, le poteau. Bravo, JR. Bien joué, JR, t'es vraiment le boss. Bien joué, JR. Bien joué, bien incroyable. Joué. Incroyable. Bah, merci Anus, JR. Merci, Ben. Voilà, j'aime bien. Eh ben écoutez, donc, 50 euros qui s'ajoutent au prochain jeu, et du coup. Exactement. Et bien joué, JR. Si vous voulez un épisode 2 dans les commentaires, vous me le dites. Si vous avez des idées d'épreuves dans les commentaires, et jouez les trollbox de JR. Jouez les trollbox de JR. Et puis voilà. Jouez les trollbox de JR. Je vais envoyer ça à JR. Je vais vous montrer quand même ce qu'il va recevoir. Ce magnifique autocollant. Ainsi qu'une carte dédicacée. Wow. Mais il devait gagner 50 balles, mais malheureusement. Il est... Je l'offre pour la COP. Malheureusement. Okay. Heureusement. Bah merci à toi. Il les offre. Ouais, merci à Vase, merci à la salle qui malheureusement est éliminée dès les premiers jeux. Eden qui a été éliminé, mais qui du coup. Eh bah... A pas accepté. Et puis la salle, t'as un mot à dire pour la fin? Voilà.